Ah ben salut les amis, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de la saison 1 de la ferme du Valaisan. On arrive à la fin bien sûr, au niveau date de la saison 2 ça va partir à partir de la semaine prochaine. Je vous dirai ça dans le dernier épisode de la saison 1. Car j'ai encore des petites bricoles à préparer pour vous faire cette surprise. J'ai trouvé sûrement la map où va se dérouler la saison 2. Mais bon, j'ai encore des choses à faire. Là, j'étais en train, vu que mon ami Paolo a eu un petit souci de travail, un petit accident de travail. Donc, je suis tout seul. Je pense pour la fin de la saison, je vais aller juste récupérer s'il en reste un peu là. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, alors je disais, une petite saison 2 particulière, hein, vu qu'il va sortir dans, eh oui, dans un mois le Farming 2017. Je pense pas faire directement des épisodes sur de 2017 car je pense que ça va démarrer très très fort avec tous ces personnes qui vont faire et surtout que au début ben il n'y aura pas toutes des maps hein, il faudra attendre mais bon je fais confiance à nos super mappeurs qui nous font des super trucs pour avoir des autres maps au jeu au tout début, le tester, voir et puis on verra tout ça. Bien sûr, ce qui est un peu gênant, c'est que on n'aura pas toutes nos modes, mes modes que j'aurai. Hein. Bon, j'ai appris par un ami hein, pour le nommer Arsenic qu'il paraît que il y aurait 5 lignes à changer pour que ce, la map ou le mode 2015 soit compatible avec le 2017. On verra ça. Il y aura sûrement des tutos. Alors moi, je vais aller de l'autre côté. Je vais voir combien j'ai du bio déchets qu'on va mettre à la machine dans la compost. Oui, alors je disais, saison 2 particulière. Je ne veux pas tout vous dévoiler, hein, je vous en dirai un petit peu plus dans le dernier épisode de la saison 1 qui arrivera avant le week-end, ça c'est clair. Ce week-end aussi, petite pub et dédicace à mes amis de la team FFA qui font leur week-end des abonnés à partir de vendredi soir. Je ne peux que vous conseiller d'aller sur leur chaîne FFA Team si vous voulez venir les rejoindre et même faire ma connaissance en direct. Alors, est-ce que j'ai du bio? Je sais plus si je l'ai déjà fait. Je vais en avoir un peu d'après ce que je vois sur le compteur. Alors, je vous en avais parlé, hein. J'avais eu des petits soucis avec les télescopiques. Pour l'instant, mon classe Scorpion ben, fonctionne. Pour l'instant, j'ai dit bien. Parce que c'était la même chose pour les autres. Est-ce que j'ai tout pris? Je dois avoir tout pris. Et pour l'instant, tout va bien. J'ai pris un classe Scorpion. Et il a l'air de fonctionner. Alors c'est clair, ouais, j'ai encore des légumes ici. Je me réjouis déjà d'avance, commencer l'autre saison. Qui sera sûrement peut-être assez conséquente au niveau des épisodes, hein, comme je l'ai dit. Ça sera sûrement la saison qui va durer. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, hein, au moins déjà jusqu'à la sortie de 2017. Après, il y aura un petit temps de pause pour que je teste le nouveau. Et après, on verra tout ça, si je
peut-être faire une saison, la troisième saison sur le 17. Je ne sais pas encore tout ça. Alors, allez, ouvre-toi. Voilà. Après, on ira chercher le reste de ces déchets bio. Pas trop levé, crochet. Oui, on ira chercher le reste à la logistique. Je prendrai le godet devant le fenêtre là pour prendre aussi les déchets de la laveuse patate. Pour les déchets bio, j'ai pas besoin, c'est automatique. Voilà. Alors toi, on va te laisser en haut là le compost. Oups, arranger ça. Ah ben, je vais même te laisser ici pour l'instant. Alors dans le dernier épisode, on avait vu un peu la logistique. Voilà. Les fleurs se mettent. Du reste, le fertilisant, il faudra que j'en cherche, mais vu que j'ai plus de pellets, du reste, je ne peux pas aller chercher mes pellets parce que manque de bol, j'ai la grève. Ah ouais, la logistique, il y a l'accident. Et en plus de ça, j'ai le feu à l'usine de pellets. Donc, je voulais aller chercher des palettes, mais je ne peux pas. Allez, c'est parti. Donc comme ça, on a 45%. On va mettre les gyrophares. Voilà. Direction la logistique. Avant, on va s'arrêter au parc chercher un godet. Vas-y. Un peu lente ces portes. Donc je disais après. Bon, je vais préparer pour moissonner. On commencera peut-être la moisson là, juste à côté. Soit le maïs ou soit. Je crois que c'est du blé ou de l'orge. Sauf erreur. Et juste ici, on verra ça. Et pour le dernier épisode de la saison à Kendorf. De la ferme du Valaisan. On ira vendre 2 ou 3 animaux à l'abattoir s'il n'y a plus la grève, je l'espère. Car on évite sur cette map, dès qu'il y a un souci de feu ou de grève, on évite bloquer. Alors, direction le parc, chercher le petit godet, comme je l'ai dit, hein. Pour récupérer le compost qui est sorti de la machine à patates. J'ai toujours pas fauché mes trèfles là. J'ai encore des épinards à récupérer. Ah bah voilà, peut-être on fera les épinards ou les petits pois dans le dernier épisode. Comme ça, juste vous montrer le mode de ces cultivateurs. Une récolteuse de légumes, on peut appeler ça comme ça. On va aller chercher notre petit godet là ici au parc. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, la grève à la logistique. Donc je ne peux pas vendre, j'ai rien pu faire. Mais si on fait des épinards ou des petits pois aux haricots, on va aller directement les mettre à l'usine. À la logistique pour faire des boîtes de conserve. Hein. Là-bas, on voit la graisse. Alors, bien sûr, la graisse aussi, je voulais en distribuer à certains endroits. Je n'ai pas pu à cause du feu. Surtout que j'en ai bien besoin à la fabrique de pellets. Alors, voilà notre petit godet. On va prendre ça. Voilà. C'est bon. Alors, je vais faire un petit clin d'œil. Alors oui, la saison 2, comme je disais,
surprise, peut-être un petit avant-goût. Il y aura beaucoup vraiment de détails au niveau pour faire voir un peu tout. Vraiment, je vais faire un peu de tout et puis vraiment, non, je ne vais pas vous dire, ce sera une surprise ou peut-être que je vous dévoilerai ça un peu au début du premier épisode de la saison 2. Je vous expliquerai tout ça. J'ai encore peut-être une petite hésitation sur l'endroit où on se retrouvera. On verra ça. Pour l'instant, on va aller à la logistique et ensuite on mettra tout ça à la machine à compost. Alors, vas-y. Bien pratique, Stephen, pas trop puissant, mais pour faire ses travaux, ça va très bien. Justement, là, sur la droite, le champ d'épinards qu'on fera. J'espère que, comme je disais, j'espère que le feu et puis la grève sera fini pour le dernier épisode. On fera un peu de tout. Alors, on va aller récupérer déjà le compost des patates, parce qu'après ça va aller très vite. Vu qu'il y a les tapis, pour récupérer le reste. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup, mais ça va le faire. Voilà, on arrive, on va tourner là. Ici, ça fabrique les yaourts. J'ai pas été chercher le lait, mais on ira le chercher. C'est peut-être ce qu'on fera après. Alors, nous, on va se mettre ici. Allez, on va se mettre le long là. Comme ça. La machine tourne. Ah, ouais, d'accord. Peut-être que... Voilà. Les gros ennuis, la dernière épisode, là, que je vous ai montré, la logistique, hein, pour ramasser la palette de patates. J'avais bien ri. Parfait. Petit peu. Il y en a pas mal. Première fois que je récupère là le compost. Donc je pense que je vais devoir peut-être faire deux voyages. Je sais pas. Il y en a 20 249. Dépêcher un peu. Je me rappelle plus la contenance de cette remorque. La Véronne. Bon, c'est pas bien grave si on peut pas récupérer l'autre. Hein. Je vais pas faire 40 000, voyons. On va juste chercher le lait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que là? Alors, jolie petite saison, hein. Alors, beaucoup d'épisodes, comme je l'ai dit, hein, la prochaine saison, il y aura peut-être un peu plus.
On verra tout ça. Comment ça se déroule avec ce 2017, hein, là je suppose que des vidéos le premier jour que il sera mis en service, je pense que des vidéos on va en voir en paquet, alors vraiment en paquet, je pense le premier jour. Oups, voilà, je descends un petit peu. Ça va fuser à mort. C'est pour ça que je me dis avant, moi je préfère le tester, de voir si ça se trouve. Alors, je pense qu'il sera bien. C'est clair que je ferai quand même encore des épisodes avec le 15. Car au début, comme je l'ai dit, hein, on n'aura pas les modes. Alors je pense que ça va aller très vite hein, au niveau mappeur et modeur. Pas, je me fais pas de soucis, et ben on est plein. Alors ce que je vais faire, ouais, je pense que je vais faire quand même des voyages. Je vais peut-être laisser le godet ici. Pas besoin de me balader avec ça, on va aller recrocher. Je suis pas bon. C'est parti. Je vais juste passer là-bas. Je vais juste contrôler si ça vaut la peine de revenir. J'en suis à combien ici? Ah, je pense qu'il me reste 13 000 là. Ici, on en est à quand même 7 000, ouais. Hein, on va faire un deuxième moyen. On va se dépêcher. Alors ça, j'ai besoin de compost. Donc là, au début, je voulais mettre ça pour de l'ensilage au silo bio, en BGA, mais j'ai besoin de compost, donc. Ça va partir là-bas, comme peut-être de la paille après, le remplir. Oups, on prend un peu large, c'est bon. C'est parti, direction de nouveau les serres. Pardon. Est-ce que je prends le risque de doubler? Parce qu'avec le poids derrière, je ne vois pas si un véhicule arrive. Voilà, on va doubler quand même. Ça va pas trop mal. Ah ben c'était juste juste. Allez. On met pas là. C'est la fin de journée, hein. 17 h. Donc oui, on fera, je louerai la machine pour les épinards, la remorque je l'ai déjà, on ramassera tout ça dans le dernier épisode de la saison 8, la ferme du Valaisan. Vous avez été nombreux à me suivre, j'espère qu'on serait tout aussi nombreux pour la saison 2. Venir au 2017, c'est vrai que j'ai un peu suivi hein, mais bon, il y en avait tellement de ces vidéos là sur les news, je me dis on va attendre ce qu'il vaut. Il y a eu des critiques positives, des critiques négatives, je sais pas, vaut mieux attendre d'essayer le jeu, mais je pense qu'il sera pas trop mal.
Surtout qu'il y a des nouveaux changements, hein. On verra tout ça. J'ai suivi ça sur le site officiel, car je vois pas l'intérêt de regarder des vidéos, des gens qui ont fait des vidéos, bon, libres à eux de le faire, hein, pour tout revoir, la même chose qu'on voit sur le site officiel. Mais bon, c'est leur choix. Moi, je vais attendre le 26 pour juger par moi-même du jeu. De toute façon, je pense que tout le monde jouera avec, hein, une bonne partie, vont faire des vidéos. Donc voilà quoi. C'est surtout sûrement ceux qui ont critiqué le jeu, qui ont dit qu'il sera pas bien, qu'ils auraient pu mettre ci, qu'ils auraient pu mettre ça, qui vont le faire en premier. Moi, pour ma part, je vais le tester au début. La saison 2 continuera par-dessus le 17 avant. Alors, on va aller vider ça. De toute façon, je pense qu'elle va plus tourner ma machine à compost parce que, comme je l'ai dit, hein, elle manque de pellets. Un peu partout, il me manque des pellets. Donc, il faut vraiment que cet incendie soit fini, soit éteint. Alors là, on va prendre un peu plus large. Mais bon, comme ça, elle sera prête à tourner dès que je vais mettre les pellets. Ça, alors, on voit, il y a encore un peu. Alors, hop, voilà, on vide. Vraiment un grand plaisir d'avoir joué sur cette map, hein. La nouvelle est sortie. Je vais sûrement aussi jouer dessus, mais ça sera pas le, je sais pas. Je dis rien de plus, on verra. Alors, on va aller vite rechercher la fin. Je dirais même faire le tour avec les tapis. Comme ça c'est fait. J'aurais plus qu'à. Ben là, je vois un petit bug là sur cette remorque. L'autocollant 25 à l'heure est un peu bizarre. Mais bien pratique. Car on met de tout dedans. On va se remettre un petit peu comme ça. Alors, je vais essayer de tourner l'épisode de la fin de saison, non une avant le week-end, car je vais peut-être être occupé. Je vais rejoindre la RFFA dans leur week-end des abonnés. Ensuite, on verra. J'essaierai de faire plus rapprocher les épisodes, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai des problèmes avec une hanche, donc je ne sais pas quand c'est qu'ils vont m'opérer. Donc c'est assez dur pour moi, je ne peux pas rester trop assis aussi pour faire les vidéos, tourner les vidéos, faire les montages, hein, c'est ce qui prend le plus long. Donc on verra tout ça. Mais vous inquiétez pas, hein, la saison 2, j'essaierai vraiment de faire des épisodes assez rapprochés, quoi. Allez, on est reparti. On va à la logistique, on fait vite le tour des tapis et après on changera ce qui reste de la machine à patates. Et on va se quitter là. Petit épisode, hein. Je ne vous ai pas montré beaucoup là, à part le changement là. Il y aura un peu plus de d'hiver dans le dernier épisode, hein. On ira faire ça. Moi en solo, je vais hors vidéo, je vais aller moissonner un peu. Aller voir si je peux aller chercher. Mais le dernier épisode qui va être tourné, je vous dis, avant le week-end, hein,
Il y aura près de 3 jours à attendre la saison 2, car je dois préparer certains trucs. Fabriquer mon image de couverture déjà pour la saison 2. Allez, petite vue intérieure, descendre un peu ça. Donc le dernier épisode sera peut-être un peu plus long. Alors là, de toute façon, je sais pas, je vais commencer à moissonner parce que 17 h, le temps d'aller chercher le matériel, le matos à la ferme, tout préparer, ça prend du temps. Et je voudrais bien aller vendre un peu ma fabrication, mais comme je dis, avec cette grève, je ne sais pas quand c'est qu'elle sera finie. Je pars mes bras. Et je peux rien faire, je peux rien vendre à part stocker. Mais c'est du réalisme, et puis voilà, c'est ce que j'adore. Hein. Donc je vous ai dit, hein, même que je suis tout seul, il y en a qui disent oh, les grosses maps ou les petites maps, oh, c'est bien la petite map là pour le solo, ou bien les grosses maps c'est que pour du multi. Moi je m'en suis bien sorti là. Je vois pas pourquoi une grosse map, on ne pourrait pas la faire en solo, c'est clair que c'est long. Mais il y a plein d'outils pour ça, hein. Autocombine, course play, c'est du reste que je fais. Quoique vous en avez moins vu ces derniers épisodes là. Mais je me débrouille pas mal. Alors nous, on va tourner là sur la droite. On va aller déjà récupérer ce qu'il y a là-bas. Récupérer OH1 ou H2, pardon, les déchets, et on finira de charger le reste. Alors bonjour madame, elle est toujours là, elle travaille dur en soutien-gorge. Voilà, alors on va se remettre là. Je sais pas combien j'en ai, je voudrais bien arriver à tout mettre pour pas pouvoir encore faire à faire un. Voilà, ah, je pense que je vais arriver à tout mettre. Combien j'ai? Ouais, presque 30%. Ah, je pense que ça va le faire. Allez, on va chercher. J'ai jamais essayé si on peut charger aussi manuellement là, mais je pense. Mais bon, c'est plus pratique, plus rapide à faire comme ça. Comme je l'ai toujours répété, hein, vraiment, c'était vraiment mon gros coup de cœur de la map, et surtout sur F15. Allez, remplis-moi ça. Voilà. Vraiment un gros coup de cœur sur cette map. J'ai vraiment bien aimé. Comme je l'ai toujours dit, hein, j'adore ces maps où il n'y a pas que les cultures à faire et les animaux. Là, il y a vraiment du boulot. Alors, comment je vais me mettre? Je vais me remettre comme avant. On va finir de charger ça, revider là-bas. Et ensuite, la remorque là, je vais la ramener au parc. Et peut-être que j'irai. Voilà, on va remettre notre godet. Allez voir si. Je vous montrer le feu, s'il y a toujours ou s'il n'y a plus. Je vous ai dit, hein, vraiment de l'animation sur cette map. Avec les grèves, les accidents, le feu, et c'est bien fait. Encore un bravo à ces mappeurs.
je ne peux que vous conseiller de jouer sur cette map. Hein. Bon, ça c'est la version 2.2, mais vous trouverez facilement la 2.3. Alors qu'ils ont rajouté encore plus, il n'y a déjà pas assez de travail. Ils ont rajouté, hein, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, à la place du parc, il y a la fabrique de bière en bouteille et en fût. Ils ont rajouté la pisciculture. Google dépasse. Hein. La pisciculture et une boulangerie avec tout ce qui tourne autour. Donc il faut mettre des cartons, il faut mettre des palettes, il faut fabriquer. Comme je dis, hein, j'aurais pu faire au moins 50 épisodes sur cette map. On pourrait jouer ouais, presque une année hein, de suite à vraiment tout faire. Là, j'ai pratiquement tout fait sur cette map. Mais j'ai envie de changement, même que c'est mon cœur. Je vais aussi vous faire partager un peu autre chose que cette map. Alors on verra la prochaine si ça me plaît autant. Juste peut-être ce petit indice. Je n'ai jamais encore joué. J'en ai vu des vidéos, des multis dessus cette map, mais je n'ai encore jamais joué dessus. Mais d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater, elle m'a l'air pas mal. Après, on verra tout ça la semaine prochaine, hein, au début de la saison 2, la ferme du Valaisan. On verra. On visitera en premier. J'arrive pas à tout mettre. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser ce godet ici. Je vais pas venir refaire un troisième voyage pour les 800 qui restent. On va poser ça là. C'est bon. On va reculer, on va raccrocher. On va aller vider ça. Après, on ira voir s'il y a toujours l'incendie. Ou si je peux aller chercher, mettre de la graisse et chercher surtout les pellets. Allez, c'est parti. Ça fera déjà pas mal, mais bon, elle va pas se mettre en route, je pense. Il me restait, je crois que la dernière fois, il me restait 3% de pellets pour la machine à compost. J'ai besoin aussi de fertilisant, mais justement, ben voilà encore qu'il me manque des pellets. Donc j'avais amené du lisé, mais elle tombe pas. Donc j'ai une des serres, je crois que c'est le légume, sauf erreur. J'ai plus de fertilisant, donc elle tombe plus non plus. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est une map, dès qu'il nous manque un truc, ça bloque tout. Donc on peut plus, ça si on n'a pas de fertilisant. Si ça vous dit de jouer sur une map comme ça, le conseil que je peux vous donner au tout début de votre partie, faites énormément de copeaux de bois pour faire des pellets. Car il faut du bois pour faire les pellets. Hein. Rappel, on fait des sacs de pellets et ça fabrique aussi du vrac, mais qu'on peut que vendre avec le vrac. Et surtout, au tout début, il faut faire de la culture de colza, il faut faire de la graisse, car c'est les deux principaux ressources qu'il faut pour que les usines tournent, hein, les pellets et la graisse. Autrement, ça ne va pas tourner. On va te doubler, toi. Il n'y a rien qui arrive en face. Mais ça fait du boulot. Mais je m'en suis bien sorti tout seul avec mon ami Paolo. Et c'est ça qui donne du piquant, moi je trouve. À une map. Après, il y a des jolies maps, c'est vrai, qui sont fabuleuses, mais à part faire du bétail, des cultures,
Mais on en voit de plus en plus, hein, ces fermes où on doit faire, on peut faire de la boulangerie, de la pisciculture, quoi. Alors comme je dis, hein, j'ai jamais joué à l'autre map qui va venir pour la saison 2. Là, ils ont failli se mettre l'un sur l'autre. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Je peux passer. Alors j'hésitais encore, ben, comme je l'ai dit, hein, j'hésite encore. C'est pour ça que je vous dis pas le nom de la map de la saison 2. Car j'hésite encore si je fais une saison un peu comme à Kendorf, avec un peu de, comment appeler ça, la fabrication autre que les cultures ou les animaux, ou revenir à la normale. On verra tout ça. Je dévoilerai un peu plus dans le dernier épisode. Et on découvrira ensemble dans le premier épisode, ou peut-être en deux épisodes, ça dépend de la map que j'ai choisie. Car je vous dis, il y en a une qui est très très grande. Alors voilà, on va tourner là. On va aller vider ça. Et ensuite, on va vite prendre un véhicule. Je vais prendre le camion carrément. Il est con. Et ça, si jamais il n'y a plus d'incendie, déjà être prêt pour mettre du lubrifiant et récupérer les palettes de pellets. J'ai jamais su si pendant l'incendie ça fabriquait encore, mais ce qui m'étonnerait beaucoup parce que hein, bah, vu que ça brûle, les pompiers ont dû couper le courant, et je vois pas l'intérêt que ça continue. Hein, si ça brûle une usine, ça brûle. Donc elle doit être évacuée, donc il n'y a plus d'ouvriers. Alors, est-ce que tu me fabriques encore un petit peu de compost? Non, donc c'est les pellets qui manquent, ça c'est sûr. Je l'ai vu la dernière fois. Alors ça consomme pas beaucoup de lubrifiant ici, on peut le constater, il me reste 20 000. Alors, vous dire au tout début, ben c'est clair que c'est un peu long. Mais certaines usines n'utilisent pas beaucoup de lubrifiant, comme la Syrie, comme ici au compost. Ailleurs, il y a peut-être vers les cartons que ça consomme un peu plus. Et la fabrication des palettes aussi. Après, vers les arbres fruitiers, il n'y a pas besoin de lubrifiant. À la logistique aussi, il y a un endroit qu'il faut. Mais ils consomment pas énormément non plus. Donc vous voyez, vous faites au début un peu de lubrifiant, un peu un stock, et puis après ça, vous faites petit à petit, hein, parce que c'est comme je dis. Hein. Bon, ça vous fabrique aussi de l'essence, hein, du diesel pour vos véhicules. Donc vous avez de l'essence gratuite, ce qui est bien pratique. Alors voilà, ça, on va retourner au parc, poser tout ça. On va prendre le camion. Oula, un petit trou là. On va quand même pas aller trop vite. Allez, petite vue intérieure pour rentrer. Poser tout ça. Peut-être juste le défaut quand l'usine des pellets brûle, alors c'est impossible d'aller avec un véhicule car on est bloqué, ça lag. Bon, c'est peut-être à cause de l'animation, hein. Ça c'est clair. Alors. Rien qui vient là, il n'y a rien qui vient là. On tourne. Allez, on se dépêche un peu. On va prendre nos petits mon petit Iveco là. On va laisser les palettes des graisses. J'en avais pris, je crois, 3 ou 4 dessus.
en cuisine appelée, il y a aussi, hein, comme je vous l'avais dit dans un premier épisode, je crois, qu'il faut aussi du diesel, on vérifiera ça, mais comme je l'ai dit, s'il y a le feu, je ne pourrai pas rentrer dans l'usine et on se quittera, quoi. Très vite le dernier épisode de la saison 1. On va laisser appeler la remorque sur le tracteur. Alors j'ai fait aussi des graines de semence, mais alors c'est très long à faire. Je ne sais même pas si elles fonctionnent, hein. Je ne suis pas retourné voir à la ferme. Voilà, au hangar. J'ai tout mon matos, pratiquement. C'était pas encore prêt, hein. Je ne sais pas. Là, on va mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Là, est-ce que je prends l'hélico quand même? Ou je prends un tracteur. On va arrêter ça. Voilà, allez, on va quand même prendre le camion Iveco. Où es-tu? Tu es là. Trois palettes. Allez, c'est parti. On va aller voir ça, si les pompiers ont fait leur boulot. J'ai jamais calculé le temps quand il y a une grève ou quand il y a le feu, combien de temps ça dure. Alors la grève, pourquoi la grève? Ben, faites attention au début, hein, si vous voulez. Bien souvent, il y a beaucoup de personnes, c'est qui remplissent les stocks de la ferme, tout ça, et ils vont pas vendre, hein, rien du tout. Ben là, ici sur Hackendorf, si vous vendez pas assez régulièrement au dépôt, c'est là qu'ils se mettent en grève, ce qui est un peu normal, hein. Vu qu'on leur donne pas de boulot, ils sont un peu au chômage technique. Alors, de toute façon, là, on va le voir tout de suite s'il y a encore le feu. On va le voir bien de loin. Là, encore un champ, là, je crois que c'était des haricots. Le 39, sauf erreur. Non, c'est des petits pois. Les grands champs poussent. Là, il y a du maïs. Alors, comme je vois, vous pouvez le voir aussi en même temps que moi. Alors, je ne vais pas aller très loin parce que après, comme je vous ai dit, ça lague assez énormément. Enfin, si ça se dit, si c'est bien français ce que je viens de dire. Enfin bref, on va s'arrêter là. Alors on voit le feu, les grosses flammes. Ils ont bien de la peine à éteindre mon usine. Quoi, c'est pas vraiment la mienne. Alors, ouais. Bon, ben voilà quoi. Alors, on va essayer de faire demi-tour, on va faire une marche arrière si j'ai personne derrière moi. Donc je suis encore bloqué. Donc on fera la moisson. On va finir un peu les moissons. Les dernières récoltes. Et ensuite, on va se quitter. Je vais retourner au parc avec le camion. Attendre parce que je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Ouais, quoi que j'ai le temps, elle est encore loin. Voilà, bah écoutez les amis, hein, on va se quitter. Moi je vous dis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, comme je dis toujours, des questions, etc. etc. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez suivre ou revoir les épisodes de la saison 1, ben, pourquoi pas vous abonner.
vous abonner. Comme ça, vous serez prêt pour voir la saison 2, me suivre sur la saison 2 de la ferme du Valaisan. Oui, ben, c'est à peu près tout quoi. Merci encore, je ne sais pas si je l'avais fait. Ça, ben, tant pis, hein, ça fera une deuxième fois. Aux nouveaux abonnés. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, on arrive. Écoutez les amis, moi je vous dis tout de bon comme on dit chez moi. Et on se retrouve très vite pour le dernier épisode de la saison 1. Allez, bye bye!